j'ai écouté, dès qu'on a commencé l'évaluation des partis politiques, j'ai écouté beaucoup de réactions. Ma première déception est venue de mes frères des partis politiques. Je vous dis, je le dis ici et je le répète, je peux le dire plus haut qu'ailleurs, qu'aucun des partis politiques guinéens, à commencer par mon parti, ne respecte complètement la loi sur la charte des partis politiques. Aucun de nous. Mais nous, encore moins, nous les partis qu'on traite, partis satellites, partis sac à dos, nous nous respectons encore beaucoup plus que ceux qui pensent qu'ils sont en règle. Pourquoi ? Je vous invite, après la conférence, de prendre la charte des partis politiques. C'est 37 articles. Ce n'est même pas beaucoup. Et la partie dont je vous demande de lire, c'est les droits et obligations des partis politiques. Peut-être ça vous fera 10 articles seulement. Et c'est dans les obligations qu'on peut contrôler et sanctionner. Parce qu'il n'y a pas de délit qui n'est pas prévu par la loi. Cette obligation nous dit quoi? Que les partis politiques ne peuvent recevoir, du moins, les dons et legs des personnes publiques et privées guinéennes. Peuvent recevoir ça. Mais ça ne doit pas dépasser 20% du patrimoine des partis politiques. Mais souvent, quand on le dit, les gens pensent que si c'est moi qui suis leader, je peux me permettre de donner un siège. Non, ton bien privé n'est pas bien de parti. Un parti qui n'a aucun franc, ou bien un parti dont le bien ne dépasse pas 1 million, vous ne pouvez pas lui donner plus de 200 francs, même si vous êtes leader. Regardez en Guinée, il ne faut pas qu'on se trompe. La richesse du parti est proportionnelle à la richesse de son leader. Si je manque, vous pouvez me donner après tout de suite des exemples où il y a un pauvre qui a un parti riche. Il n'y en a pas. Donc quand un leader met sa maison au compte du parti comme siège, il a violé la loi. L'administration du territoire devait fermer directement le siège là. Si le parti n'est pas dissous, mais le siège doit être fermé. Pourquoi? La sagesse qui est cachée derrière ça aussi, c'est quoi? Parce que si une personne ou un petit groupe de personnes finance intégralement le parti, puisque la main qui donne, c'est cette main qui commande, il n'y aura plus de parti, il y aura une entreprise. C'est eux qui décideront tout du parti. C'est pourquoi, entre nous, vous avez entendu les gens dire on va organiser le congrès. Mais dans le sens qu'on organise nos congrès aujourd'hui, honnêtement parlant, est-ce que c'est un congrès? Ce n'est pas un congrès. C'est vous qui fixez la date du congrès. Vous envoyez le transport aux congressistes pour venir assister au congrès. Vous les logez, vous les nourrissez. Après, vous dites que vous êtes candidat là-bas, que quelqu'un va vous battre. Mais quand même, il ne faut pas qu'on se trompe. Ce n'est pas un congrès, ça. Et je vous dis ce que les gens ne savent pas. Donner un présent à quelqu'un. Parce que j'entends les gens aussi dire, non, tel parti est bon. Pendant le mois de Ramadan, il a donné de nourriture à des populations. Il est parti faire un puits par-ci. Il est parti faire un puits par-là. Regardez notre code électoral. Hein. L56. Tout don, que ce soit en nature ou en argent, qui peut influencer sur le vote, est interdit et doit être... L'intéressé doit être poursuivi par le procureur de la République. Et c'est assimilable au trafic d'influence. C'est pénal. Donc même donner un t-shirt à quelqu'un pour voter pour toi, c'est pénal. Et c'est les gens-là qui se retournent pour dire que nous ne sommes pas en règle, que nous, on doit nous dissoudre. C'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité.